Donc, comment est-ce qu'on diffuse du contenu aux élèves? Donc, on va choisir le module, par exemple, on va prendre un module aujourd'hui comme exemple, qu'on va vouloir diffuser. On va créer ce qu'on appelle une session, qu'on va paramétrer, et on va sélectionner des élèves à qui on veut distribuer cette ressource et ce travail à faire. Alors, attention, un point qui est important au début, c'est que la base élève dans Tactileo n'est peuplée qu'à partir du moment où les élèves se sont connectés une première fois à la collection. S'ils ne se sont jamais connectés, ils ne vont pas apparaître et vous ne pourrez pas leur distribuer la ressource par cette manière-là. On va voir qu'il y a une deuxième façon de distribuer la ressource par un lien libre direct qui là permettra à n'importe quel élève de s'y connecter en attendant qu'il soit remonté dans la base Tactileo et que vous puissiez lui distribuer les ressources par l'intermédiaire du GAR. Donc on va ici prendre une ressource et qu'on va essayer de diffuser à des élèves. Donc peu importe la collection, le principe est le même, qu'on soit en mathématiques, SVT, sciences. Donc là, je vais prendre la première ressource ici qui est un module sur la fonction carré. Donc toujours pareil comme tout à l'heure, on peut cliquer dessus, on peut le visualiser. Et quand on va vouloir le distribuer aux élèves, on va créer ce qu'on appelle une session. Donc là, on arrive dans la page de paramétrage de la session. Donc il y a le titre de la session qu'on peut modifier. Par défaut, c'est le nom du module. Mais attention, en général, on va distribuer des ressources à plusieurs classes. Donc c'est bien de mettre le nom de la classe. Moi, je me suis fait piéger en distribuant beaucoup de ressources. Et finalement, j'avais du mal à retrouver après pour retrouver les résultats des élèves. Le début de la session et le fin de la session. Donc on peut choisir pendant combien de temps les élèves vont pouvoir accéder à cette ressource. Par défaut, ça démarre à l'instant où vous créez la session et ça se termine au bout d'un mois, mais on peut complètement modifier ces paramètres-là. C'est dans cette partie que l'on va trouver les élèves à qui on va attribuer la ressource. Donc, pour trouver ces élèves, il va falloir ici cliquer sur le petit triangle. Et là, on va trouver la remontée des classes qui ont été faites par des élèves qui sont déjà connectés. Donc si je clique ici sur la troisième 1, on voit tous les élèves qui sont déjà connectés à une collection mascotte et qui sont remontés dans la base. Je peux tous les sélectionner pour leur attribuer cette ressource. Alors je vais en enlever deux exprès pour vous expliquer après comment on peut en rajouter s'il y en a qui se connectent entre-temps, qui n'étaient pas présents au départ quand vous avez créé la session. Vous allez pouvoir les rajouter au fur et à mesure. Et ensuite, on clique sur Créer la session. Donc là, vous avez la session qui est créée avec tous les utilisateurs qu'on a importés et à qui on a distribué la ressource. En haut à droite, ici, vous avez marqué accéder à cette session avec un petit code qui vous est proposé. En fait, si vous cliquez ici, vous allez obtenir un lien. Et ce lien-là, vous allez pouvoir le distribuer à des élèves qui ne seraient pas remontés dans la base et qui vont pouvoir quand même réaliser le travail que vous avez voulu distribuer à votre classe. Donc attention, si vous voulez tester ce lien, il faut le faire soit dans un autre navigateur, soit dans une nouvelle fenêtre de navigation privée. Parce que si je le fais ici, on va me refuser l'accès puisque je suis déjà connecté à Tactileo avec mon compte ENT. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée et je vais coller ce lien. Donc là, les élèves arrivent sur cette page. Et l'inconvénient de cette méthode-là, c'est que du coup, ils ne sont pas identifiés, donc ils vont devoir rentrer un pseudo. Donc pour les reconnaître, vous pouvez leur suggérer, par exemple, de mettre le nom de leur classe en premier, puis leur prénom, et la première lettre de leur nom de famille pour essayer de respecter la protection des données. Et me connecter, voilà, c'est parce que en fait un élève, si jamais il veut faire deux fois la ressource avec un lien libre, il pourra pas utiliser deux fois le même pseudo. Donc il faudra qu'il change son pseudo. Donc vous pouvez rajouter 1, 2, 3 à la fin du pseudo si vous voulez modifier la tentative. Donc là, c'est une ressource mathématique qui est réalisée avec Cabri. Peu importe, pour ce qui nous concerne, je vais juste faire une question pour qu'on voit ensuite côté enseignant comment on remonte un élève qui s'est connecté avec un lien libre. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Pour le côté élève et on va revenir côté prof. Donc là, je suis dans les résultats et suivis de ma session et on voit ici en bas qu'il y a un utilisateur. Donc là, j'ai anonymisé les noms, donc du coup, mon nom n'apparaît pas. Mais si jamais je
On va voir que troisième main, Christophe s'est connecté pendant 18 secondes, qu'il a réussi la première question et qu'il a eu un point. Donc ici, vous retrouvez les élèves à qui vous avez attribué la ressource avec le gare avec un petit carré à côté. Et sinon, vous retrouvez les élèves ici qui sont connectés en lien libre sans le petit carré à côté. Donc on peut mixer les deux méthodes. Si jamais entre-temps il y a d'autres élèves qui sont connectés à par l'intermédiaire du gare et que vous voulez modifier, que vous voulez les rajouter à cette session, ou si vous voulez modifier d'autres paramètres de cette session, si par exemple vous aviez donné qu'une semaine mais que c'était trop court, que les élèves n'ont pas eu le temps de faire le travail, que vous voulez allonger la session, en bas de votre session vous avez ici la possibilité de la modifier. Alors je vais d'abord vous montrer où est-ce que vous retrouvez ces sessions, puisque là j'étais automatiquement dedans puisque je venais de la créer. Donc ici à gauche en bas vous avez résultats et suivi. Donc si vous cliquez sur résultats et suivi, vous allez retrouver la liste de toutes les sessions que vous avez créées. Et vous allez pouvoir aller voir les résultats des élèves et les modifier. Donc je reviens dans la session sur la fonction carré pour les troisièmes 1. Et en bas ici je vais la modifier. Donc je peux modifier le titre, la durée de la session. Et ici, j'avais fait exprès tout à l'heure de laisser deux élèves. Je peux rajouter des élèves qui se seraient connectés entre-temps. Ils seront remontés dans la base et vous allez les voir apparaître ici et enregistrer. Et ma session est modifiée. Et maintenant, j'ai ces deux élèves-là qui vont apparaître en plus. Alors, il y a un petit temps de latence. C'est pour ça qu'ils ne sont pas apparus tout de suite. Là, voilà. Les voici, ils sont apparus après.